intéressé par l'agrozoop parce que c'est avant tout un moyen de pouvoir être précis et de travailler seul sur différents aspects du désherbage ou de la plantation ou de la préparation du sol. L'agrozoop, c'est avant tout ne pas tasser le sol, c'est réussir à minimiser les impacts sur l'environnement, donc minimiser tout ce qui est pollution. Moi, je suis intéressé par ça parce que j'aimerais bien trouver une alternative au tracteur, déjà un outil léger et non motorisé. J'ai souvent l'impression qu'on fait beaucoup de sorties de tracteurs dans notre système maraîcher pour pas grand chose. Il y a beaucoup de travaux superficiels pour lesquels on n'a pas du tout besoin de puissance et pourtant on sort le tracteur. Je suis en train de m'installer, donc je fais des choix d'investissement. Et donc il y a des choses que j'ai envie de concevoir par moi-même parce que ça n'existe pas ou ce qui existe ça ne me convient pas. Être capable de souder et d'apprendre soi-même à le monter, ça veut dire que je vais être capable à l'avenir de pouvoir faire moi-même mes propres adaptations sur mon outil. Et ça, c'est aussi un défi assez intéressant à relever. Je ne sais pas souder, j'ai jamais vraiment travaillé le métal. Donc là, c'est l'occasion, on a une semaine de formation et je crois que je viens d'apprendre à souder, c'est pas mal. Une formation collective comme celle-là, mais ça nous permet aussi d'échanger énormément, de passer une semaine à échanger avec des gens super intéressants, des maraîchers, des ingénieurs, des tailleurs de pierre, des designers, des gens qui viennent de partout. Et donc du coup de s'enrichir réellement pendant toute une semaine. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait la culture sous couvert en maraîchage. Et moi, j'aimerais voir si c'est possible d'adapter à ce outil un rouleau pour écraser les engrais verts. Notre but avec mon collègue, donc, c'est de réussir à utiliser l'agrozoop de façon très 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 régulière sur nos planches et de travailler sur une très faible profondeur. Et donc ce serait surtout de l'entretien, binage, butage des poireaux, butage des petits pois et des fèves, et aussi préparation du lit de semence pour la carotte et du lit de semence pour le panier principalement. Ce qu'on est sûr de pouvoir faire avec l'agrozoop, c'est clairement des travaux de désherbage, binage, sarclage. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est accrocher une remorque derrière pour limiter les manutentions et pas avoir à sortir le tracteur pour porter deux caisses. Après, il y a plein d'autres idées qui nous viennent. Mettre un désherbeur thermique dessus qui n'a pas besoin de puissance. Il fallait quelque chose qui nous permette d'économiser du carburant, comme l'agrozoop. On est dans une démarche où on essaye de tout le temps s'améliorer, de tout le temps diminuer aussi notre empreinte carbone, notre empreinte sur l'environnement. L'autoconstruction, parce que je pense que c'est indispensable pour les paysans et pour tout corps de métier, pour pas mal de domaines dans la société, quoi. Que les gens retrouvent un peu une autonomie sur la construction, la réparation, les objets qui les entourent tous les jours, et les agriculteurs, leur matériel, leur outil de travail. Sur notre ferme, on est plusieurs, on est deux femmes et un homme, et c'est parfois un peu trop caricatural comme ça, où les hommes font le tracteur et les femmes font les travaux plus superficiels. Et moi, j'ai bon espoir dans le fait que l'agrozoop nous permette d'inverser aussi un peu la tendance et que tout le monde sur la ferme, homme comme femme, puisse s'approprier le travail du sol et que ce soit un truc plus partagé, parce que plus maîtrisable et peut-être avec moins cette image un peu stéréotypée du moteur et de l'homme qui associe au moteur. J'avais besoin d'apprendre à prototyper, à autoconstruire. Il y a plein de choses que je savais pas faire. Je savais un peu souder, mais là je sais vraiment souder. Et puis utiliser plein d'outils. Aujourd'hui c'est le quatrième jour, donc on finit d'assembler les châssis.
Donc on finit de souder les derniers détails et on va commencer de faire l'assemblage général. Globalement, l'encadrement était très partagé entre l'atelier paysan et Farming School. Nous, on apportait plus avec l'atelier paysan la méthodologie de formation, les plans, un peu comment diviser les tâches et comment faire une tâche après une autre, etc. Après, sur la connaissance des plans, de la machine, la chronologie des assemblages par exemple et la mise en place, Farming School tenait vachement bien le truc. Moi, mon rôle, ça a été de mettre l'engin en plan et aussi d'optimiser un petit peu la fabrication, enfin de faire en sorte que ça se passe le plus rapidement possible, le mieux possible. Et, comme on a vu, ça s'est bien passé et on a réussi tout pile à temps à sortir les 4 bécanes. On a quand même bien taffé. 4 protos, c'est quand même pas mal à monter, ça fait beaucoup. Mais après, ça l'a fait. Après, on s'est quand même bien marré. Ça, c'est quand même important. Il y avait quand même un bon groupe et ça a bien tourné. C'est pas mal. L'équipe est excellente, vraiment a été accompagnée du tonnerre. En plus, on se retrouve entre agriculteurs, donc entre maraîchers. Donc ça nous a permis d'échanger un maximum à travers les techniques et pourquoi pas même de nouveaux outils à créer avec le partenariat d'AgroSoup. Je pense que c'est un outil qui va vraiment être pertinent et qui va nous permettre vraiment d'aller encore plus loin dans notre boulot. Ça va nous permettre de nous adapter à nos sols, de nous adapter à nos cultures, de pouvoir vraiment ajuster exactement en fonction de nos besoins. Parce qu'au final, on n'a pas les mêmes besoins entre maraîchers et entre agriculteurs. Donc ça, c'est vachement pertinent. Ce qu'il n'y a pas dans un tracteur qui, au final, a une fonctionnalité et c'est tout. Là, on peut vraiment aller changer de l'armature aux différents outils qu'on va faire, quoi. Ça laisse rêveur. C'était cool, AgroZouk. C'est rigolo, la magie, atelier paysan, Farming Soul. On arrive, on commence à souder, on a l'impression qu'on va réussir à rien. Et en fait, il y a une sorte d'alchimie qui se produit. Et puis petit à petit, il y a le truc qui se met en forme et il y a 4 AgroZouk qui sortent du métal. Et voilà, on n'a plus qu'à aller dans les champs, tester des herbages et puis s'amuser un peu quand même, quoi.